Salut les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup sur la chaîne pour comment faire le meilleur. Et du coup, on continue notre série avec les niveaux 100. On a fait le grand buteur, on a également fait le MOC, j'espère qu'ils vous ont plu. Aujourd'hui, on s'attaque pardon, au buteur normal. Bon, il est quand même déjà très grand parce qu'il est l'entry les gars, donc désolé pour ceux qui sont sur PS4, je sais que c'est désavantageux pour vous, malheureusement. Je prends pas le risque de faire des builds sur des plateformes sur lesquelles je joue plus. Parce que on sait jamais, autant j'en fais un qui marche pas du tout. Donc, je les propose pour PS5. Du coup, n'hésitez pas déjà à liker les gars si ce contenu vous plaît, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Pourquoi pas atteindre les 700 abonnés, on y est bientôt. On verra ça, en tout cas je compte sur vous les gars, si ça vous plaît. Donc on s'attaque direct à ce build. 1m87, 90 kg, très 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 conséquent, mais pas si lourd sur le terrain. De toute façon, vous connaissez les Lentley les gars cette année, ça fait vraiment l'affaire. Et là vraiment, il y a tout pour réussir. Les atouts, on va continuer avec ça du coup. Contrôle actif, hein, il est dans quasiment tous les builds les gars que j'ai proposés. Je trouve vraiment qu'il est indispensable. Il sert pour la conduite de balle, les accélérations, la vitesse. Et il octroie la caractéristique flair, donc tout ce qui est talonnade. Et petites touches, comment dire, un petit peu subtiles, je dirais. Donc vraiment très bon atout. Également, renard, les tirs dans la surface qui sont plus efficaces. Indispensable pour un buteur, hein, c'est là où vous le trouverez 90% du temps, donc il vous le faut. Et tir en première intention, du coup ça améliore la finition. Mais du coup sur les tirs en première intention et également les têtes, donc puisque vous êtes grand avec ce build, c'est parfait. Ça octroie également la caractéristique tir en finesse, donc enroulé les gars. Intuition, tir extérieur du pied et tête puissante. Et ça améliore également l'aptitude mauvais pied, donc ça vous fait 5 étoiles, même si vous verrez que vous les avez déjà. Donc voilà au niveau des atouts. Maintenant, du côté des points de compétence en général, on va commencer par le physique parce qu'il y en a pas mal. On a de la force, beaucoup de force pour aller chercher l'archétype puissance et pouvoir être solide et lengthy tout en étant un minimum rapide et agile. Et également la réactivité, les gars, pour arriver jusqu'à 91. Je trouve que c'est nécessaire sur un lengthy, encore une fois, parce que même si ça va, il se retourne assez vite. Il y a de temps en temps, vous verrez comment dire, des phases de jeu où votre joueur va être assez lent. Donc c'est pour un petit peu réduire ces petites phases, même si elles sont chiantes, malheureusement, c'est logique. Vous êtes lourd de base, même si pour le jeu, non cette année, mais c'est pour ça que vous avez besoin d'un maximum de réactivité. Ensuite, au niveau de la défense, rien logique. Au niveau des dribbles, là, pas mal de trucs. On a gratté l'archétype maestro pour pouvoir rester quand même à la différence de 14 entre l'agilité et la force. Du coup, pour être lengthy, même si je le répète beaucoup, c'est vrai. Du coup, on a quand même l'archétype pour avoir un maximum. On a 92 de dribble. Les 4 étoiles de geste technique, si vraiment vous les voulez, les gars, vous pouvez les mettre, les 5 étoiles de geste technique. Moi, je trouve pas ça nécessaire. Après, c'est à vous. Beaucoup de dribbles parce que ça améliore la qualité de la conduite de balle. Et c'est très important. Du coup, ça vous fait 92 en dribble, 90 en équilibre. Très important également l'équilibre pour bien tenir, même si vous êtes grand. Vous ferez bouger, surtout par les bottes qui sont très 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 puissants cette année. Donc, il faut tenir sur vos jambes. Conduite de balle 93, très important, on l'a dit. Du coup, l'archétype Lynx qui améliore tout ça, la conduite et l'équilibre. Et voilà, après 98 en placement offensif, mais ça, c'est un détail. Passe, rien du tout, franchement, c'est déjà très correct. 76 en passe courte. Au niveau des tirs, on va chercher le troisième puissance de frappe. D'abord, le mauvais pied, bien sûr, pour avoir les 5 étoiles qui sont juste ici. Et du coup, puissance de frappe, ça vous fait 89 en puissance de tir. J'ai pas trouvé si nécessaire de mettre archétype sniper.
mis à part la puissance de tir. Après, si vous tirez les coups francs, ça peut être pas mal, mais franchement, est-ce que vous en avez beaucoup, vous, dans les matchs? Perso, nous, non. Vous me direz en commentaire, mais moi, je trouve pas ça nécessaire. Du coup, 89, la puissance de tir, c'est déjà énorme, on va pas se mentir. L'étoile de mauvais pied, beaucoup de tirs de loin pour arriver à 92. Si vous faites les tirs puissants, les gars, L1, R1, ça sera que bénéfique avec tout ça. Je vous le garantis. Testez ça. Les volets, il y en a pas mal. Également les têtes, parce que vous êtes grand et vous allez devoir en prendre. Et cette année, les centres, c'est très fort. Donc, très important de mettre de la tête. Ça vous fait 92 en pression de tête, 97 en volet. Vraiment, c'est très très cool. Toutes les finitions. Et également, ben, on l'a dit, la cinquième étoile de mauvais pied. Et l'archétype finition pour arriver à 98 de finition. Donc vraiment énorme. Là, ça fait vraiment des stats de tueurs devant les cages, on va dire. Ça, c'est sûr qu'il y a tout pour. Et enfin, la vitesse, les gars. Vous mettez tout, vous prenez pas la tête. Ça vous fait 87 en accélération et 94 en vitesse. Mais je vous garantis que vous serez plus rapide que quasiment tous les joueurs et également les bots que vous prendrez facilement de vitesse. Donc voilà pour ce build. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept vous plaît toujours autant, si ce build vous a plu. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme autre poste? Je pense qu'on va partir sur MDC logiquement. On verra après pour les latéraux, gardiens et centraux comment ça va faire. Il y a également les ailiers, c'est vrai. Ça va peut-être être lié la prochaine vidéo. Donc voilà les gars, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. C'est vous les meilleurs. J'espère vraiment que ce build vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé bon ou pas bon dans ce joueur. Au moins, on essaie de se construire, comme je le répète, dans chaque vidéo, le meilleur, tous ensemble. C'est le but de cette chaîne et de ces vidéos. Merci à tous les gars. N'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine.